Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Nobody Save the World et nous retournons au château maintenant que nous avons 17 étoiles, cette baguette, on va pouvoir enfin rentrer dans le château. Oh, ce sont là des étoiles que je vois sur votre pâle personne, magnifique. Seuls les plus puissants magiciens sont capables de rassembler de telles constellations d'étoiles. J'ai hâte de faire sa connaissance. En attendant, vous devriez peut-être apporter ces étoiles à la porte des étoiles. Yaoum. Wow, c'est un boss là. Récupérer des étoiles en terminant des quêtes pour entrer dans le château. Quête achevée. Donjon au château, quête découverte. Une quête qui est bloquée. Vos quêtes de forme sont bloquées par la calamalamalité. Ah ouais? Ah merde, à l'intérieur j'ai pas de quête, je peux pas améliorer mes quêtes. Ok, bah raison de plus pour rester en rôdeuse alors. Du coup on s'en fout. Je vois tout, intrusion. Une sinistre présence bloque votre quête de forme. Utilisez judicieusement vos formes pour survivre. Oui. Oui. Tiens, pour se déplacer, on va prendre le rat au début. Arrière, vil monstre, tâtez de mon acier. Ah, prenez garde, cette vague de monstres me donne du fil à retordre. Ils sont protégés par une sorte de voile démoniaque. Mon épée a beau être aiguisée, elle ne leur fait rien. Petit tutoriel. Toutes les attaques infligent un type de dégâts précis, tranchant, contendant ombre et lumière. Les ennemis protégés par un bouclier sont invulnérables tant qu'ils ne subissent pas un type de dégâts précis. Regardez l'ennemi vulnérable avec une attaque d'ombre, puis abattez-le. Rendez l'ennemi vulnérable avec une attaque d'ombre, puis abattez-le. Appuyez sur machin pour ouvrir le menu forme si vous devez vous transformer. Joli, essayons un autre type de dégâts. Rendez vulnérable l'ennemi avec un dégât tranchant. Du coup, il faut la forme, on va prendre genre là-bas, bah, on peut prendre la rôdeuse. Hein. Vous avez l'air de savoir y faire, dites-moi, je suis Armanda, chef de la guilde des chevaliers, je me suis retrouvé piégé à l'intérieur. Il y avait pour changer de forme rapidement. Oui, on savait. On avait trouvé ça. Ah Zeth, magicien, vous avez changé de forme rapidement, ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir une bouchée de verre souche, une gorgée d'aigro et il n'y apparaîtra plus. Oh le cochon. Cochon. Des cochons. 0 sur 63. Ok. Mais du coup, ce qui est bien avec la rôdeuse, c'est qu'elle a et les dégâts tranchants et les dégâts d'ombre avec le poison. Et ça, c'est de la balle. Ah non, j'ai roll 1 qui vient d'apparaître et ça n'a rien à voir avec le niveau. Pas du tout ce que ça veut dire du coup. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oula, mais d'accord, bonjour. Alors regardez, ça meurt. Ça meurt tout seul en fait là. Rôdeuse, meilleur perso du jeu.
C'est décidé. C'est moi qui l'ai décidé et c'est décidé du coup. Pas d'autres arguments. Ah non, je me suis fait avoir. C'est un piège. Une espèce de trappe. Oh putain, la volée de... Oh, c'est trop bien. J'ai même pas eu le temps d'être out of mana en plus. Enfin, faut vraiment qu'on s'améliore la rôdeuse. Hein. Toujours que la volée de flèche là. Quand ça sera plus que 20 secondes là. Enfin 20. Qu'est-ce que je dis, 20 mana par seconde là. Ça sera pris hein. Moi je peux les toucher mais ils peuvent pas. Enfin si l'autre avec son œil il peut mais... C'est cheaté. Voilà. Ok, alors où est-ce qu'on peut aller? Ici, on va rejoindre, non? Ça va peut-être tous rejoindre. Je suis amoureux de la volée de flèche. C'est trop puissant. C'est un petit délire. Adieu. Quête achevée, tuer des ennemis. Ok, celle-ci elle monte encore parce que c'est pas une quête de... une quête de forme. Ok ouais, tous rejoints. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Où est-ce qu'il faut que j'aille là? Où c'était? Merde. Merde. C'est directement ici. Ah mais oui, d'accord. Ah oui. Donc oui, j'imagine qu'il fallait que je tue des monstres pour pouvoir accéder à la suite du niveau. Ah c'est ça. 77 sur 63. Donc, j'ai plus que prévu. Très bien. Là on arrive à l'étage 2 et ça va être rebelote, c'est ça? 0 sur 56. C'est exactement ça. Attention, on fait tout hein. On explore tout, on prend tous les coffres et tout hein. Aucune raison qu'on ne le fasse pas.
Ah mais du coup vu que ça applique pas le poison directement, ça fonctionne pas. Ah, intéressant. Quoi ça comme attaque? Pas bon. C'est pas bien. Du coup c'est que le rat là. Aïe. Aïe. Longtemps que j'ai pas joué le rat. Ok, je pense qu'on va devoir garder le rat sur cet étage. Après on peut switch aussi, on peut faire on peut juste les mordre. Et après genre on re-switch sur Rodeuse quoi. Voilà. Ça c'est du vrai gameplay ça. Il va falloir que je sois un petit peu plus efficace sur les switch. Sur les switch de forme, mais tranquille. Ça viendra. On saura où ils sont les trucs à chaque fois. En plus c'est chaud parce que, ouais. C'est chaud d'avoir ceux en extrême, en diago. Let's go. Enfin, c'est dommage que ça me bloque mes pouvoirs là. Il y a tellement d'ennemis là. C'est tellement free. Mais par contre, je suis pété de thunes hein. On va pouvoir s'acheter pas mal d'améliorations en sortant de là. Hein. Oh, c'est Keblo. Tu lances ? Non, c'est bon. Il est coincé là. Ok, est-ce qu'on a fait le tour ici ? Ouais. Ok, nickel. Ok. Thank you.
on arrive au niveau du boss final. J'ai l'impression que oui, il y a le téléporteur. Un vrai boss. Premier vrai boss du jeu. Étrange créature, elle a survécu au donjon, nous allons nous repaître de sa chair. Je sais pas si j'ai est-ce que j'ai une voix grave ou pas. C'est pas fou. C'est pas mal, hein. Ok. Nous allons nous repaître de sa chair. Ok, il y a du monde. Putain, ça dure longtemps. Oh, la volée de flèches. Ah, et du coup, il y a des mobs en machin là. Non. Focus le boss. Boom. Let's go. Et on est riche, hein. On est vraiment très 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 riche. Plein de points de compétences. Parfait. Tout ce qu'on voulait. Et un truc. Terminé le donjon du haut château. On a un fragment de quelque chose. Ok. Un diamant. Ignoble créature, il ne faut pas se dresser entre la calamité et sa gemme. Mais, sans yeux, nous savons, sans yeux est à nous. La créature ignore ce dont il s'agit. Homme et nous, nous savons. Oui, nous savons. Ok. Eh bien nous, nous partons. Ok. On passe en C. On a débloqué le mécano, alors peut-être. Non. On débloque quoi en le passant en C lui. C'est pas trop. Ok. Ok. Halt! Deux secondes, je reprends mon souffle. Oh fiu, ne crois pas pouvoir te jouer de moi. Bon, je sais que c'est toi avec tes yeux vides qui a fui la cave avec ma baguette. C'est du vol. Tu n'es plus simplement un suspect, mais aussi un fugitif. La baguette m'était destinée, rends-la-moi et donne-moi aussi le fragment de gemme. Non. Très bien, je vais employer la manière forte. Qu'est-ce que... Arrête ça tout de suite. Je dois retrouver mon maître. Il n'a ni la technique ni la prestance nécessaire pour utiliser correctement la baguette. Il n'a même pas de diplôme de magicien. Ouais, ouais. À d'autres. T'as pas vu Maraudeuse en action, toi, hein. T'es un fou, lui, hein. Au château. Oh, quelle bravoure, quelle audace. Dire que j'ai eu le courage d'attendre à l'extérieur, je n'ai jamais été si angoissé de toute ma vie. Et nous avons éliminé le plus gros de cette substance gluante. Bravo à nous. Nom d'un tube à essai, tu as réussi. Tu as trouvé un fragment de gemme.
Ah, je ne m'étais pas senti aussi vivant depuis le jour où j'ai découvert les ingrédients de la poussière de fée. Mais oui, tu t'en sors plutôt bien, et si tu essayais de trouver d'autres fragments de gemmes? Excellente idée, Octavia. Nostramagus, où qu'elle soit, serait ravie de voir à quel point nous avons progressé. Tout à fait, si tu trouves trois fragments, j'ai passé le dialogue beaucoup trop vite. Vraiment, c'est tout bonnement prodigieux. De toute façon, Nostramagus aura besoin de tous les fragments pour affronter la calamité. Comme c'est palpitant. Adressez-vous donc à Armanda, vous la trouverez à la taverne des tables rondes. Elle vous ouvrira les portes Est et Ouest pour vous permettre de partir en quête d'autres fragments. Allez, et plus vite que ça, votre roi vous l'ordonne. Parlez à Armanda. Et du coup, on peut acheter masse truc. J'ai 13 points de comp. Voilà, comme ça on est super strong. 13 points de compétences. Alors, limite on va pouvoir mettre dans tout parce qu'on n'a pas amélioré assez nos persos. Alors soit on garde, soit on améliore ce qu'on peut améliorer. Moi je suis d'avis d'améliorer ma rôdeuse. Ça je suis pas obligé honnêtement, vu que je joue pas trop. On peut améliorer la claque. Non. Plus 20 points de mana au toucher. Ah ouais, putain c'est pas mal en vrai. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Et vas-y pour l'instant on va se concentrer sur la rôdeuse. Qu'on la monte en rang B. En rang B on pourra tout acheter. Ça fera 16. On arrive à aller jusqu'à 16. Parce que là on passe à 2 attaques affichent plus 18 points de poison. Attends. Pardon. Il y a un bug là, non? On passe de 18 à, de 19 à 18. Quoi? Bah non. Il y a un bug. C'est pas possible. Là ça rend plus 6 points de mana au toucher. Et ça coûte 33 au lieu de 38. Ça c'est vraiment insane. Non mais par contre ça c'est un bug graphique, j'espère. Parce que sinon ça craint un peu. Ça craint un peu. Mais attends, mais en plus le jeu est sorti il y a super longtemps. Pourquoi ça n'a pas été corrigé? Wesh. Wesh. Wesh wesh. Bon et là on peut toujours pas passer par contre. Ouais, faudra qu'on ait un perso qui nage. Ok, alors il faut aller voir Armanda à la taverne. La taverne elle est là. Ah oui, c'était fermé tout à l'heure ici. Effectivement. Je botterais des fesses toute la journée si Armanda me le demandait. C'est mon idole. La science, la moralité, l'art. Non, le gouffre qui sépare l'homme du rat est bien plus élémentaire. C'est tout simplement la capacité à encaisser un coup de poing. Soda pop. On m'appelle le chevalier temporaire, j'ai comme dans l'idée que je serai bientôt remplacé. Salutations, le problème avec ma tête, j'en ai copé après une petite mésaventure à l'est au cours de l'une de mes fameuses excursions. Je déteste les magiciens et leurs petits tours. Dialogue à base de 3 petits points. Oh, je vous en dois une, merci d'avoir défendu le royaume. La tempête de cette nuit m'a réveillé en sursaut et ce matin des monstres avaient envahi le château. C'est la première fois que je vois une chose pareille, mais je connais les légendes. Un incident similaire s'est produit il y a fort longtemps quand une créature mystérieuse s'est abattue sur la contrée. Les gens l'ont baptisé Calamité. Les héros de l'époque réussirent à la chasser à l'aide d'un joyau magique, la gemme arcanique. Après la défaite de la calamité, la gemme a été scindée en 5 fragments. Si je me souviens bien, l'un des fragments a été caché dans les catacombes de la reine sorcière à l'est, et un autre dans le robot antique à l'ouest. À l'est. Et à l'ouest. Niveau impossible. Cadavre explosif, chance de coup critique. En mêlée plus 50. Oh, il y a des affixes.
Niveau impossible. Ennemi PV x 1, 2. Soin du joueur appliqué à tous. Oui, mais ça a l'air d'être trop dur pour moi. Écrit niveau impossible. Je vais demander aux gardes de vous ouvrir les portes. Mais avant que vous ne partiez, vous feriez l'honneur de rejoindre nos rangs? Nous sommes la guilde des chevaliers. Nous sommes peut-être pas parfaits, mais nous faisons de notre mieux. Vous pouvez parler aux différents membres de la guilde pour obtenir des quêtes. Pour commencer, vous aurez le rang d'écuyer. Bonne chance. Félicitations, vous avez atteint le rang de guilde écuyer. C'est trop bien. OMG. Tu oses me regarder de haut, demi-portion? Je te ferai savoir que moi, le chevalier Barraquet, j'ai fini de ma premier de ma classe quand j'étais à l'académie des chevaliers et que j'ai arpenté de nombreux donjons et que j'ai zigouillé plus de 300 boss. Je crois vraiment que le premier noob venu peut intégrer la guilde des chevaliers. On suit non seulement un entraînement rigoureux au combat au corps à corps, mais en plus tous les jours on s'entraîne au tir à l'arc sur le champ du tir au roi. Si tu veux nous prouver que tu ne seras pas un poids mort, montre-nous ce que tu vois avec un arc en relevant le défi du champ de tir du roi. Mais je suis sûr que tu vas échouer, Minus. Non, t'inquiète, je vais réussir. Moi, je suis insane à l'arc. Vous avez l'air de savoir vous battre, vous voulez bien m'aider à vaincre quelques monstres? Retrouvez-moi à la courge sinistre. Plein de quêtes secondaires, OMG. Excusez-moi, vous pouvez nous aider? On cherche quelqu'un qui soit capable de nous aider à vaincre des monstres particulièrement coriaces. Vous voulez bien vous rendre au donjon de Top-Topi et je vous y attendrai. Aux quatre coins de la carte, quoi, en fait. Hein. Science, la moralité, l'art. Ouais, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Je me nomme Morora, le moine cogneur. Je suis capable de tuer un rat d'un simple coup de poing. Attends, je suis pas un rat, hein. Amenez-moi n'importe quel rat, je vous montrerai à quel point cette infâme créature m'est inférieure. Yo. Ah tiens, un rat. Tu te sens d'encaisser mes coups, Vermine? Ouais, peut-être mieux de sauvegarder. Faites preuve d'une grande sagesse pour un rat, vous savez où est votre place. Vous avez déjà entendu parler du bestiaire de l'ermite? Selon la rumeur, il renfermerait des secrets sur les points faibles des monstres. Je crois savoir où il a été enterré, mais je ne veux pas y aller seul. Si ça vous dit de m'accompagner, retrouvez-moi dans la grotte de la forêt ancestrale à l'ouest. Ah, c'est tout près, ça. C'est pas Lara Croft. Non, ça. Attends. C'est où la sauvegarde? Sauvegarde et après on prend son coup. J'ai plein de nouvelles quêtes. OMG, le jeu va être incroyable. Aucun problème. Très bien. Ne craignez rien, vous n'aurez même pas le temps de souffrir. On peut y aller. Ah bah ouais, je suis mort. Ma première mort dans le jeu. Wouhou. Bien. Et du coup, est-ce qu'il me propose une nouvelle quête ou pas? Ah, mais du coup, c'est une quête. Ah oui, il va falloir que. Ouais, c'est ça, ok. Va falloir que je m'améliore en rat et. Enfin, va falloir que j'ai plus de vie en fait. C'est même pas en tant que rat, c'est juste en tant que. En tant que personne, quoi. En tant que niveau. Ok. Je sais pas si j'avais cuté la VOD, non je crois que j'avais attendu de venir jusqu'ici, donc on a chopé 1 million de quêtes, donc je vous fais des bisous sur YouTube et on se retrouve à la prochaine VOD pour, bah, je sais pas, faire plein de trucs en fait. Des bisous, ciao ciao.